Bon, la culasse est prête, on va la monter. Voilà, nouveau joint de culasse. Voilà. Hop. On va monter tout ça. Donc, la culasse avec ses soupapes d'échappement neuves. Bon, bah, j'ai nettoyé comme j'ai pu. Là, on a les vis de la culasse sont neuves aussi. Voilà, donc il y a tout le matériel. Bah, il n'y a plus qu'à, hein. On va essayer de monter tout ça. C'est parti. Voilà, ça se pose tout seul. On va partir de là, on va fermer, on va visser. Bon, je ne me suis pas trompé de sens. C'est bon, hein? C'est côté distribution. Et là, côté thermostat, pipao, vanne EGR. Bon, allez, on va mettre les vis. Voilà. On va les rapprocher avec la main. Donc, va falloir faire une première passe à 30 Nm. Après, on aura deux passes à 90 degrés. Bon, je ne vous cache pas que j'ai pas l'appareil pour mesurer le degré, mais bon. Par du principe que 90 degrés c'est ça. Donc on serre et on respecte l'angle droit. C'est ça à faire, hein. Bon, l'ordre de serrage, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, dans un premier temps, on va les rapprocher à la main. Voilà, juste le rapprochement de la main. Six, sept, et huit. Voilà, maintenant on a rapproché la main, on va faire une première
un premier serrage à 30 Nm. 30 Nm, et c'est parti. Le premier, donc, c'est celui-là. Voilà. Le 2. Maintenant, on va faire du serrage angulaire. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez. Avec ça, ça doit être facile de faire du serrage angulaire, j'espère. Alors, toujours en respectant l'ordre. Donc, le premier. Alors, comment on va faire? Ça y est dans ça. Voilà, là, je suis bien. Bon, je vais essayer de respecter. Essayer de respecter les 90 degrés, donc on voit bien que ça incline un peu, c'est plutôt par là quoi. Voilà, ici. Ah, c'est parti. Là, c'est bon. Le deuxième. Pareil. Voilà. Hop, le 3, là, on est plutôt bien là. Voilà. 4. Approximatif, hein, le 90 degrés. 6. Voilà, maintenant on va faire la deuxième à 82 degrés.
Et voilà, logiquement c'est fini. La culasse est serrée. Bon, j'ai remis les poussoirs hydrauliques et les linguets. Il faut savoir que j'ai remplacé sept poussoirs que j'ai trouvé durs. Donc j'ai remplacé par des poussoirs tout neufs et j'en ai gardé 5. 5 et quand j'appuie dessus, bah ça s'enfonce bien. Donc j'en ai mis, bon, comme ça au hasard, j'en ai mis 6 neufs ici, un neuf ici et les 5 anciens ici. Voilà. Donc maintenant, on va mettre le couvre-culasse. Alors pour le couvre-culasse, il faut mettre une pâte à joint. C'est une pâte à joint spéciale. C'est pas la même pâte à joint que celle pour le carter distribution, le carter d'huile. C'est une pâte à joint qu'on ne trouve que chez Volkswagen. Et ça coûte la peau des fesses. Je vous montre. Voilà, c'est cette pâte-là. Volkswagen. Donc, c'est hyper cher. C'est 85 euros rien que pour faire ça. Donc c'est une pâte qui résiste à des températures assez élevées et qui reste un peu élastique. Pourquoi? Parce qu'on a des petits trous ici, des petits trous de lubrification pour l'huile, et il faut pas que la pâte vienne les boucher. Et cette pâte là là, cette élasticité qui permet que même si la pâte elle vient dessus, elle permet le passage de l'huile. C'est ce qu'on m'a expliqué. Voilà, 85 euros. Ça fait mal. Bon, je vais mettre cette pâte là sur le couvre-culasse et puis on va la poser et serrer. Voilà, j'ai mis la pâte à joint. Bon, comme vous le remarquez, elle est blanche. Donc la fameuse pâte à joint spéciale. Allez, hop. Bon, faut pas le mettre à l'envers quand même, hein. Voilà, je me prends mal. Allez. Bien visé. Voilà. Enfin, maintenant, on va mettre les vis et un ordre de serrage à respecter. Bon, maintenant que j'ai posé, j'ai rapproché les vis. Donc, on va serrer. On a premier serrage, c'est de 10. Si je comprends, alors c'est quoi? Ouais, c'est 10 Nm, premier serrage, et après 90 degrés. Et l'ordre de serrage est suivant. Donc on commence par ça, c'est 1, 2 ici, 3, 4, ou l'inverse, 3 et 4. Et ainsi de suite. Alors le 1, c'est celui-là. Bon, j'ai réglé à 10, 10 Nm. Voilà, hop. 2.
5, c'est là. Six. Ouais, j'ai pas bien rapproché quand même. Hein. Six, sept. Huit. Neuf, c'est au milieu ici. Je vais chercher une rallonge. Plus facile avec une rallonge. Donc on a dit 9, c'était là. Bon, maintenant on va faire le serrage angulaire. Bon, serrage angulaire, on va faire avec ça. Donc, pareil, en respectant l'ordre. Et le 1, il est là. Ah, et c'est détendu. Resserré. Ouais, c'est ouvert, disons. Bon, j'ai l'impression que je l'ai oublié. Hein. Je vois pas d'autre solution. C'est pas ouvert tout seul. Hein. Sinon, ça craint. Hein. C'est pas ça. Donc là, on va partir sur un serrage et on part du 1. Le 1, il est ici. Et là, on va faire 90 degrés. On va faire gaffe de ne pas foirer le vis, la vis. Voilà, 1, 2. Donc ici. Voilà. 3. Tac, tac. Hop. 4.
6. Six, sept, ici, huit, neuf. C'est la dernière. Hein. 9, 9, 9, 9. 9, 10. 11. 11. Et la dernière, c'est la 12. Voilà. Et bien sans foirer, aucune vis. C'est assez cool. Voilà, couvre-culasse serrée.